T'as déjà compté le nombre de lettres. J'ai compté la première fois quand j'étais chez ma meuf, j'ai compté. Il y en avait, je sais plus, 100. En gros, ça fait. Il y a une moyenne de 100, 150 par jour, quoi. Enfin, voilà, ça c'est en un week-end avec tous les gros trucs et tout. Donc, c'est à quelle adresse? Putain, c'est au 59 rue de Richelieu. C'est marqué, je crois. Enfin, si tu tapes ça sur Twitter ou je sais pas quoi, normalement tu vas trouver. Il y avait Axel qui avait fait un post là-dessus. Pour vous dire. Ou faire ça. Qu'est-ce que t'as dit? Ok. Bon, bref, je vais commencer à ouvrir les trucs parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors ça en direct c'est un truc de 50 pages. Putain mais il y a des gens qui ont beaucoup trop d'inspi, j'adore. C'est trop mignon. Ok, avec un petit bracelet, archi mignon. Par contre, vous allez clairement sous-estimer la taille de mon poignet. Ok, bon, tout ça, je les lirai plus tard. Je peux pas tout lire là. Pour vous dire, j'en suis encore au courrier que j'ai reçu il y a 2 semaines, en fait. Je suis tellement en retard. Ça vient d'où? De République Tchèque, de Prague. Putain, trop stylé. C'est assez cool. Je lirai les lettres après. Et c'est quoi ça? Des autocollants, ok. Bon, bref, je lirai ça encore une fois après. Alors, ça on dirait encore des cartes postales. J'aime trop. Oula, ah putain, j'adore. Des gens qui font des espèces de packages de ouf. Salut mec. Shake de gang. Oh putain, c'est... Oh, c'est un piano, c'est génial. Oh, aïe aïe. Alors les gars, ça c'est Axel, je pense pas que tu sois là, mais mec, c'est assez ouf. On vient de, enfin regarde quoi, je sais même pas. C'est un piano. En fait, c'est une carte, genre merde, elle est dans le mauvais sens. C'est pour la scène du piano. C'est trop stylé. Putain. Par contre, si c'est... Attends, je sais pas si c'est cette personne qui l'a fait, c'est un truc de ouf. Leslie. Ah non, j'ai trouvé cette carte, ok. Leslie Montpellier, j'ai trouvé cette carte dans les rues de Londres, putain, bah ouais, mais merci meuf, trop cool. Je lirai la lettre et tout le bordel après, mais c'est une trop bonne idée, j'adore. Ça me saoule parce qu'il y a des gens qui vont encore enregistrer le live et foutre des vieux extraits de merde sur Instagram. Bon, la dernière fois c'était marrant parce que je m'étais cassé la gueule et je m'étais mis un coup dans la tronche et tout. Mais n'empêche que ça me fout quand même l'angoisse à mort que les gens fassent ça. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Voilà, ça il faudra que je le lise dans tous les cas. Ok, alors. Est venu par avion. Putain, j'aimerais tellement savoir lire le russe.
Salut Maxence. My name is Anne from Ottawa, Canada. Ah, c'est génial, putain. Les gars, c'est énorme. C'est Anne du Canada qui nous envoie un putain de tableau, de la fresque. C'est ouf. Et c'est un original en plus, c'est énorme. J'adore. C'est trop beau. C'est trop trop cool. Putain, merci meuf. Bon, je te ferai une réponse en anglais parce que clairement tu m'as parlé en anglais. Faudra que je le. Ah, c'est génial! Bam! Putain, vous êtes des putains d'artistes. C'est assez dingue. J'en parlais avec David au téléphone et avec ma coach aussi hier. La série elle vous inspire artistiquement parlant, c'est assez ouf. Alors. Ah. C'est un t-shirt. Attends. Des milliers. Ouais, bah allez, tu te rajoutes, c'est gentil. C'est Camille. Camille numéro 9786. Bref, je dirai ça après. Oh putain, c'est génial. C'est génial. Elle l'a fait elle-même, putain! Putain, les gars, c'est ouf! Attendez, je vais le mettre, il est trop bien. Donc voilà, Camille, une grande malade qui nous a brodé le truc à la main, quoi. Pff, meuf. Enfin, ce serait tellement cool que tu sois là. Mais non. Bon, bref. Du coup. Oh putain, c'est ouf. Alors attends, c'est ça, hein, Camille Chano. De Pusy et Penou. Écoute, meuf, je vais lire ta lettre en entier plus tard mais je kiffe de ouf le t-shirt. Tu diras peut-être pas ça. De toute façon, je t'enverrai un message dans tous les cas. Alors, FedEx. Qu'est-ce que c'est? J'adore le début. Oh. Alors, je vais pas faire de conneries. Je vais. Hop. Putain, c'est archi bien protégé. Life is on. Putain, c'est tellement bien protégé. Il y a un million de couches. Oh là là, sérieux quoi. Vous êtes des malades. C'est Gloria qui nous fait un texte avec Google Traduction. Je suis fan. Et avec un putain de. Putain, c'est génial. Avec un tableau de Wham. J'adore que ce soit des originaux. En fait, c'est un truc de ouf. Je vais le laisser dans la pochette parce que ça a l'air grave fragile. Hop. Merci Gloria. Je verrai ça pareil plus tard. Le talent, mais c'est clair. Enfin, trop de talent. Alors, là, on va attaquer un truc qui m'intrigue de ouf. Les trucs Amazon. Je trouve ça super bizarre. Je commande jamais rien sur Internet. Je sais pas comment ça marche. Ah, comme ça. Alors.
j'ai une tonne de trucs, de déchets. C'est quoi ça? A gift for you? C'est un DVD? C'est quoi? Amazon. Bon de commande. Je vais changer le disque. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le meuf s'appelle Je veux mourir, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un DVD, mais il n'y a pas de lettres avec, je comprends pas. C'est un Blu-ray, putain, j'ai pas de lecteur Blu-ray. Ah, mais oui, mais c'est connu. C'est un film japonais, c'est Your Name de Makoto Shinkai. Mais oui, j'en ai déjà entendu parler. Voilà. Je sais pas comment réagir. Il y a pas de mots, il y a pas de trucs, il y a pas de carte. Enfin, je sais pas qui c'est, mais merci. Merci beaucoup. Ah, si. Je voulais te faire livrer un petit quelque chose, tu comprendras la symbolique en matant le film. Et te remercier d'avoir tant donné pour cette symbiose exceptionnelle à l'écran. Bonne poursuite. Yann de la... Eh ben merci Yann, mec. Merci, j'avais pas capté qu'il y avait une carte sur le truc. Mais ouais, le film est génial. Je l'ai déjà vu en fait. Il est génial, mais ce sera une très bonne occasion de le remater. Et ouais, merci. Merci mec. Enfin mec, je pense, parce que c'est Yann, mais peut-être meuf. Merci beaucoup. Et du coup, il y a un autre truc Amazon. Donc en fait, là, c'est une trilogie, je pense. Alors. Je sais pas du tout quelle heure il est. Le manga est top aussi. Alors, je l'ai pas lu. J'ai pas lu le manga. Alors, putain, c'est marrant, c'est les mêmes. C'est les mêmes paquets. Alors, a gift for you. Mais c'est encore Yann de la Réunion, mec! C'est génial, mais merci. Petit cadeau pour un grand acteur, oui, c'est pour un... Mais putain, mais merci. Qu'est-ce que c'est? Je suis trop curieux. Yann de la Réunion. Mais t'as pas un truc où je peux te contacter, un... T'as pas un mail, un truc? Parce que j'ai aucune adresse, j'ai rien. Et ça me fait chier parce que c'est trop cool. Bah j'espère que tu verras ça ou qu'on te dit... Enfin j'en sais rien, je sais pas. Bref, je vais regarder ce que c'est. C'est génial. Ah mec, c'est trop cute. C'est une tasse avec des petits ratons laveurs. Attends. C'est une tasse avec des petits ratons laveurs. C'est archi mignon. Bah celle-là, je vais clairement la... boire mon café avec le matin. Je vais garder ça, si on sait jamais. Hop, putain, et bah Yann, merci mon gars. Donc grand merci, c'est assez ouf. J'ai un contre-jour, j'arrive pas à voir. Je lance un appel pour trouver... Je devrais faire mes devoirs de français. Bah, je lance un appel pour trouver Yann de la Réunion qui m'a trop gâté, quoi. Bon, et maintenant on va passer à la Corée, mon gars. La Corée. Bon, l'animal fétiche. Enfin, l'animal fétiche d'Eliott, mais ouais. Trop cool. Et ma coach, elle m'avait offert, mais avant que la série elle sorte, elle m'avait offert ça. C'est archi mignon. C'est un petit porte-encens en mode raton laveur. Trop cool. Alors...
Mais non. C'est énorme. Alors, this is your Korean name. Ah ouais. Cause la raison est je ne parle pas français, j'ai utilisé un traducteur, mais j'adore. Mode d'emploi du chapeau. Alors attends, parce que ça, bah ouais, enfin, je suis obligé quoi. Je suis obligé d'y passer. J'ai une question un peu débile. Mais les clips sortent. Les clips sortent en temps réel en fait. S'il se passe un truc à 9h52, le clip sortira à 9h52. Ok. Je vais le garder aussi, ça j'aime bien. Ah, il y a un badge de la Corée, trop bien! Alors, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Ah! Mais non! Attends! Attends. Parce que, du coup. Attends, mec! Oh putain! C'est énorme! Putain! Putain, je pourrais faire. Mais honnêtement, je pourrais passer la journée à faire ça. Oh, c'est génial. Ah, je suis fan, putain. Il y a même le petit mode d'emploi derrière et tout. C'est génial. Eh ben merci, j'arrive pas à lire, je sais pas lire le coréen, donc merci beaucoup. C'est génial. Putain, je suis tellement fan. Oh là là. Oh putain. La barre. Viens, cours avec. Mais non mec, je peux. Ouais, t'as raison. En vrai, ce serait énorme. Bon, ok. Le level quoi, c'est génial. Honnêtement, si je l'avais vu quand j'étais en Corée, je l'aurais acheté direct. Ouais, non, mais moi aussi, clairement, je pense que ce sera mon meilleur fou rire de la journée. Alors, encore la Corée. Bon, les gars, je m'attends à du niveau, là, maintenant, sur les cadeaux de la Corée. C'est génial. Putain, je comprends rien à chaque fois. Bon, est-ce que je peux pas, du coup, tout simplement... Alors, on dirait une couette. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, c'est encore un sac. On dirait une couette. Alors, Sherlock Holmes. Franchement, les gars, c'est Noël quoi. Oh, c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, j'adore. Alors.
Ah, c'est des... Ça, c'est des... Alors, ça, c'est des marionnettes de main. C'est archi mignon. C'est un koala. Ceci est une peinture. Mais non. Attends, c'est trop bien fait. Une peinture, sérieux? Waouh. Ok. Bah c'est une peinture de cette scène là. C'est assez ouf. Vous avez un level de bâtard. En plus je dessine et ça me fout le seum. Vous êtes trop bon. Alors ça, là, ça je dirais après. Enfin plus tard. Qu'est-ce que c'est? Cool. Bon, je te dirai plus tard aussi. C'est trop cool. Hop. La boîte est ouf. Je pense que je la réutiliserai pour faire un cadeau aussi. Le bâtard. Mais en même temps, c'est vrai. Ok. Bon. Alors, attends. Et du coup, on va passer au... au bulldozer. Bon gars, je vais l'éventrer ce truc. Et le pire, c'est que ça pèse littéralement 20 grammes, quoi. Ça se trouve, c'est juste une lettre dans un énorme colis. Il n'y a rien dedans, je crois. Ce serait tellement drôle. Franchement, putain, il y avait moyen de faire plus petit, quoi. Pas très écolo, tout ça. C'est Chloé. Chloé en Corée le 19 mars. Mais attends, c'était hier, non? Bon, je lirai plus tard, pareil. Alors. Je crois que je sais ce que c'est. Les gars, c'est un truc de ouf. C'est genre une peinture de Wham en mode bah en mode je sais pas trop quoi. C'est j'ai pas les mots, c'est un vrai aussi quoi. C'est une vraie peinture. Waouh. Putain, c'est un truc de ouf. Bon, j'aimerais trop le mettre chez moi, mais je peux pas mettre des photos de ma gueule chez moi, ça m'angoisse. Mais non, c'est pas dans ce sens. Si, c'est dans ce sens-là. C'est dingue. C'est dingue, c'est trop bien fait. Attends, mais du coup, faut que je dise ce qui est écrit avec, quoi.
J'étais pas du tout prêt. Je croyais que c'était un truc un peu en mode genre un grand parchemin avec écrit des trucs en coréen ou quoi, mais la violence. Je vais le laisser là-dedans, j'ai pas envie que ça s'abîme. Putain, ça c'est un truc de dingue. Alors, je suis Chloé qui habite en Corée. Ouais, t'as étudié le dessin, bah tu m'étonnes, meuf. Visual design. Putain. Mais le pire, c'est que si, je l'ai vu cette photo, je l'ai vu sur Instagram cette photo. Tellement génial. Ouais, c'est le hanbok, mais j'avais fait un shooting en Corée où j'en portais un. C'est... Waouh, je suis sur le cul. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Je vais mettre la lettre avec. Hop. Bon bah encore une fois, vous êtes des grands malades, hein. J'ai été archi gâté. Bon ça, ça reste quand même le truc le plus marrant. Bah merci les gars, je sais pas quoi dire d'autre. Maintenant faut que j'aille enfin là j'ai pas le temps parce que je travaille aujourd'hui. Mais je vais lire vos lettres quand j'aurai le temps et puis